Après quelques jours passés à Calagonone, en Sardaigne, Tara reprend la mer pour deux journées de prélèvement un peu spéciales, sous les yeux de nombreux spectateurs. Donc là, on est venu avec une quinzaine de personnes qui font partie des chercheurs qui travaillent sur l'analyse des données de Tara Océan, Océanomics. Et ils sont venus ici pour voir un peu déjà à quoi ressemblait le bateau, parce que la plupart, ils bossent tout le temps sur l'ordi. Et ils font de l'analyse de données et ils n'ont jamais vu en pratique comment c'était d'envoyer un filet et de faire l'échantillonnage. Et puis c'est utile pour eux de voir un peu les limitations de l'échantillonnage, quels sont les problèmes techniques qui peuvent expliquer que des fois on n'a pas forcément assez d'eau ou comment on fractionne les échantillons. C'était plus pour avoir une visualisation de l'échantillonnage au niveau technique. Ces quelques heures sur Tara viennent conclure un séminaire de 5 jours à Calagonone, durant lesquels les chercheurs des différents laboratoires impliqués dans le projet Océanomics ont pu partager leurs premiers résultats. Ce qu'on est venu faire, en fait, c'est qu'on est quelques équipes de Tara à faire une petite retraite, on appelle ça une retreat, pour discuter d'une manière complètement libre d'où on en est dans les données. Donc on ne voulait pas trop discuter des détails des données, mais on voulait vraiment discuter des concepts, en fait, de qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec les données de Tara. Il faut aussi se rappeler que le projet initial, c'est très 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 interdisciplinaire. Il y a de la physique, de la chimie, de la biologie. Dans la biologie, il y a les gens qui regardent les microbes, les animaux. Et donc en fait, on est isolé la plupart du temps de l'année. Donc il faut qu'on se retrouve pour regarder tout ça ensemble. Et pour continuer en fait le rêve de Tara, qui est de comprendre l'écosystème dans son entier.